Je vais vous raconter une petite histoire. C'est n'importe quoi, mais il y a une leçon à en tirer. Il y a 3 ans, j'ai commencé à faire des toiles personnalisées, c'était des mangas. Et un jour, une femme m'a demandé un portrait. Mais à cette époque, j'avais réalisé aucun portrait. J'avais zéro maîtrise dans ce domaine. Et un jour avant, j'avais lu un livre où c'était écrit « Si vous avez peur de quelque chose, foncez la réaliser. » Et moi, bien sûr, je suis tarée, la phrase, elle est restée dans ma tête. Et dès que j'ai eu la commande de la dame, je me suis dit « Ah bon ?» J'ai peur de rater le portrait et bah je vais accepter la commande. Et il faut savoir que moi je prends la moitié de l'argent en avance. Du coup j'avais pas le choix entre réussir ou réussir. Je me suis lancée dans un défi, t'as peur. J'ai recommencé le visage 15 fois pendant 3 jours. Et vous savez quoi, la 15e tentative, bah je l'ai aussi ratée. Du coup j'ai arrêté de faire la têtue. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et je me suis rendu compte que ma peinture puait la merde. C'était de l'eau quoi, c'était celle de chez Action. Du coup j'ai couru dans un magasin d'art, j'ai changé tout mon matériel, j'ai tout recommencé et j'ai réussi du premier coup. Mais attention, j'ai pas réussi parce que la peinture était mieux. C'est grâce à mes 15 échecs qui m'ont forcé à pratiquer. Voilà, du coup, la petite leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut toujours